Because with the wind, it is a little deeper. So, globally, the sound is correct, but there is soft sound sometimes. Be careful, always be careful. Voilà. Ensuite, avant d'arriver sur Stella, okay, don't start to be patient, don't start the engine. You want to be very quiet. Yes, we have a good race. Thank you very much. Justement, féliciter le gagnant. Oui, je serai sur le podium pour féliciter le gagnant, lui faire la bise. Et voilà, j'ai hâte que la course commence. Alors Manuela, au juste qui vous êtes? Je suis Miss Côte d'Opale 2012 et je suis première princesse française de Miss Européenne au Portugal. Eh bien écoutez Manuela, on attend avec de grande joie ce départ. Oui. Avec Miss Côte d'Opale. Elle monte avec moi. Bien. Allez. Monsieur Baudou, juste une petite question. Combien de bénévoles pour cette édition? Il y a 600-700 bénévoles. Énormément de personnes qui sont là à disposition et avec leur enthousiasme pour l'Enduropale du Touquet. Et moi j'ai l'enthousiasme à la Miss, c'est super.
Sur les trois premières marches cet après-midi de l'enduro, il y avait trois Yamahas. Finalement, c'était aussi une très belle façon de lui rendre hommage. On pense à lui, je suis certain qu'il nous regarde ce soir. Je pense bien évidemment avec vous à Jean-Claude Olivier. Je vous propose d'applaudir très fort, je suis sûr qu'il nous entend. Jean-Claude, qui évidemment restera à jamais dans l'histoire de notre sport. Sans spectateurs, il n'y aurait pas de manifestation. Donc c'est grâce aux uns et aux autres que l'enduropale est stylé. Et je souhaite qu'il perdure pendant de très très nombreuses années. Et surtout que l'on retrouve parmi les jeunes l'enduropale, que l'on trouve nos futurs champions. En tout cas, merci pour l'organisation. Merci monsieur le deuxième maire et de porter mes remerciements à l'ensemble de votre personnel et à tout cas. Et vous, mesdames et messieurs, l'association et la Fédération française de motocyclisme. Transmettez tous les remerciements du département, donc monsieur Dominique Duclé et l'ensemble des élus du Conseil général pour ce que vous avez fait. Merci à tous. Dominique Talon, premier agent chargé des sports de la ville du Touquet qui récompense le troisième Romain Léotoir. Deuxième position du classement général scratch du premier Enduro Kids de l'histoire de l'Enduropale, Jérémy Autier. Et il recueille, ce n'est pas Daniel qui me dira le contraire, il recueille, c'est un véritable plébiscite pour le maire, vainqueur, encore une fois. Le trophée du Conseil général du Pas-de-Calais. Allez, s'il vous plaît, un triomphe, des applaudissements avec la chevelure orthopédique. La chevelure orthopédique Galade, je suis en train de le dire maintenant. Pour lui, aujourd'hui, maintenant. La course et le règlement a rendu son verdict, mais de toute façon, à tous les trois, merci pour l'émotion, pour la passion, pour tout simplement le panache que vous avez offert et que vous nous avez permis de partager tous ensemble. Il faut qu'il y ait une fin à l'histoire, c'est comme à la fin d'un film, c'est pas toujours la fin qu'on veut, mais il y a le générique de fin, maintenant c'est fait, on reviendra pas sur l'histoire. Jean-Claude, je tiens à vous remercier aussi pour un autre Jean-Claude, pour JCO, qui est très fier là-haut de voir que du bleu, du bleu dans le ciel, du bleu sur le podium. Bravo pour l'hommage que vous lui rendez. C'était pas évidemment l'idée première, mais quel triomphe, je pense que ça doit rajouter encore à votre émotion. Ah ben c'est sûr que... cette victoire, c'est pour lui, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Jean-Claude Olivier qui m'a donné l'envie de rouler, l'envie de dépasser et de gagner des courses. Donc je pense qu'il est content qu'aujourd'hui tous les trois en soient là. Il a dû... j'aurais pas son coup de téléphone ce soir, c'est bien triste. Mais bon, c'est comme ça, on doit continuer à être là. Et puis malgré tout, on a fait un beau spectacle tous les trois. C'est vrai que... Milko, j'avais une petite avance et puis j'ai eu un petit problème de lunettes et puis Milko en a profité. On savait que ça se terminait sous drapeau rouge, donc voilà, il fallait un vainqueur aujourd'hui, c'est le tour d'avant qui compte. Bah, pour une fois, j'ai eu un petit peu de chance, c'est vrai, mais j'ai eu tellement de malchance par le passé, hein, vous savez bien. Donc, non, c'est pire. Voilà, mais on va essayer comme ça. Ouais, c'est bon. Bon, ben j'en vais. il fallait un vainqueur, c'est moi. Donc, je suis très, très content pour mon équipe parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé cet hiver. Parce que gagner l'année dernière, c'était bien. Mais quand on veut gagner à nouveau, ben, faut travailler encore plus. Hein, c'est comme ça, faut toujours en demander plus. Donc, puis là, derrière, ça commence à pousser un peu. Donc, c'est bien pour Milko. C'est bien, je sais qu'Adrien, ils sont tous les deux motivés. Ils ont envie de battre. Mais. Je suis encore là et voilà, j'essaie de m'accrocher pour ça. Donc, c'était une belle journée malgré tout, même si ça se termine un peu bizarrement. Mais merci à vous en tout cas pour tous les encouragements. Et puis,